Salut, Charlie. Alors, les vacances? Dépêche-toi de me faire sortir d'ici. Qu'est-ce qui se passe dehors, bon sang? Il y avait un avion, et puis des tirs. Ouais, je sais. Et j'ai trouvé... un cadavre. Quoi? À l'infirmerie. C'est pas bon. Tirons-nous d'ici. Hé, Charlie, aide-moi. Oh putain, non. Ouais, tu l'as dit. Bah, on peut plus rien pour lui. Putain de merde, un autre cadavre ?
C'est qui cette fois? Oh, putain, Buckley. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au mess et il pétait la forme. Oh, le pauvre gars. C'est moi ou il y a vraiment une atmosphère bizarre ici? Tu trouves que j'ai la tête d'un gars qui se soucie de l'atmosphère? T'as juste la tête d'un déterré, Chuck. Je te retourne le compliment. Génial, on va se marrer. Chuck, t'as vu le gamin là-bas? Non. Est-ce que tu te sens bien? Charlie, viens par ici! Viens là. Non, c'est pas vrai. Charlie! Qui m'entend? Oh, c'est pas vrai! Tu vas marcher, oui! Oh,
Won't you spare me over till another Bonjour et bienvenue dans ma collection. Je suis le conservateur d'histoire, d'histoire d'amour et de haine, de beauté, de convoitise, de vie et de mort, d'histoire comme celle-ci. Je serai en charge d'écrire l'histoire que vous raconterez. Il n'en existe pour l'instant que des fragments. Ce sont vos choix qui la compléteront et qui détermineront si le sort de ceux qui vous accompagnent est de rester en vie ou bien plutôt de périr. Généralement, les choix que l'on fait sont dictés par notre boussole morale. Puis il faut vivre avec ses décisions ou mourir à cause d'elles. Mais ne craignez pas la mort, car elle est après tout inévitable. C'est le prix à payer pour avoir vécu, et cette fin inéluctable attend chacun de nous. Cela dit, personne n'a envie qu'elle arrive trop tôt, n'est-ce pas ? Comme dans la vie, toutes vos actions auront un impact. Les choix que vous allez faire affecteront tout le monde. Je suivrai votre progression de près. Je ne suis pas censé intervenir, mais il se pourrait que je sois parfois d'humeur à vous donner un indice. En voici déjà un. Des photos cachées ça et là pourraient vous révéler de potentiels futurs. Si vous les trouvez et que vous les analysez, elles pourront vous aider à prendre des décisions plus avisées.
ou devrais-je dire des décisions qui auront les conséquences que vous souhaitez voir. Ce sera tout pour l'instant. Nous nous reverrons bientôt et nous aurons l'occasion de revenir sur les actions que vous aurez menées ou le chaos que vous aurez causé. Ça suffira? Sinon, on réussira toujours à se réapprovisionner. Eh, au fait, j'ai jamais été là-dessous. Là-dessous? Sous l'eau. En plongée. Tu pourrais me montrer comment font les pros. T'es sérieux? Bah, quoi? T'es vraiment venu ici sans avoir pris une leçon de plongée? Ouais. Je voulais le faire, mais j'ai pas eu le temps, j'ai dû bosser tout l'été. Ouais, c'est bon, je comprends. Wow, fais gaffe. Cette caméra, elle est vraiment super. Tu sais quoi? Sois relax. Quoi? Julia et Conrad, ils sont, comment dire, carrément pleins aux os. Donc? Arrête de criser pour rien, mec, c'est pas cool. Me fais pas regretter de t'avoir emmené. Bah... Tu sais que je suis pas très sociable au premier abord. Oh, laisse tomber. La ferme. Brad, je t'ai pas amené ici parce que t'es mon frère. Enfin, t'es mon frangin, mais... C'est parce qu'on est potes, tu vois? Si on veut. On est venu ici pour décompresser, pour s'éclater, entre potes. T'es parti dans ton délire ou quoi? Je veux juste qu'on passe des vacances légendaires. Ok, mon pote. La cavalerie approche. Cool. Désolé d'être un peu à cran, c'est que... Je pensais pas que faire médecine serait si stressant. Sans déconner. En plus, cette relation à distance, avec Julia, c'est pas évident. Ouais, je comprends. Ça doit être dur. T'inquiète pas. Hein? Ouais, ça tombe bien. Quoi? Conrad pense qu'on est limite en bière. Ah, eh ben je vais mettre celle-ci à l'abri alors. Ouais. Hey! Au fait, je pourrais te demander un truc? Ouais, quoi? En fait, c'est assez important et je dois prendre une décision. T'hésites à finir médecine? Non, mais... Tu vois, ça risque de changer à jamais ma vie, tu comprends? Je suis pas sûr de faire le bon choix. T'es sûr que t'es prêt? Réfléchis bien. Pense à tout ce que ça implique. Hey! Oh, pardon. Conrad, voici Alex. Hey, salut mec, Conrad. Méfie-toi. C'est un tombeur, un vrai. Content de te rencontrer enfin. Et lui, c'est Brad, mon petit frère. Salut. Bradley, j'ai l'impression de te connaître. Alex parle souvent de toi. Ouais, bah, enchanté. Je t'ai manqué. Salut. Ça te dit une petite mousse? À chaque seconde. Bah, ça fait beaucoup de secondes quand même. Sérieux, j'aurais 10 minutes. Brad. Bradley. Écoute, c'est très simple.
il n'y a qu'un remède au mal de mer, c'est de siffler une bière. Ah, ok. Une, pas plus. C'est cool, Brady Cool. T'as vraiment le vent en poulpe. C'est poupe. Eh, c'était une blague. T'as déjà fait de la plongée avant ? Non, pour être franc. C'est ma première fois. Un puceau ? Chouette ! Eh, tu vas devenir un homme, grâce à nous. T'inquiète pas. Où est le capitaine de Stade Ferraille, d'ailleurs ? Je vous inviterai bien à faire comme chez vous, mais... Tout le monde est à bord et prêt à partir ? Ça te dit, je suis partant. C'est ça, te retiens pas. Ouais. Tu veux peut-être t'allonger ? Ouais. Je devrais faire ça. Eh ben. Alors, voyons ces images. Pourquoi pas par là-bas ? Ça fait un peu loin quand même. Bah, j'essaie juste de trouver des idées au cas où on trouverait rien sur la caméra sous-marine. Écoute, pour être honnête, j'ai jamais entendu parler de cette épave. En général, ces trucs-là grouillent de plongeurs. Ouais. Ça a rien à voir. Moi, tout ce que je dis, c'est que s'il est trop tard, je connais des coins sympas où plonger, tu vois ? Pour le fun. Je fais confiance à Brad. S'il dit que l'épave est là, elle est là. Ok, c'est toi le boss. Mais faut pas oublier qu'à un moment, il va faire nuit. Je vais aider Conrad et Julia avec la caméra. C'est quoi ? Je vous laisse admirer ça. Les calculs de Brad étaient aux petits oignons. Toujours se fier à Brad. Ouais, il est génial. Faut le remercier. Fliss, on a trouvé un avion ! Hein ? Ouais, la Seconde Guerre mondiale. On est prêt à plonger. Normalement, on est censé le déclarer aux autorités portuaires. C'est une épave inconnue. Ouais, normalement. Vous êtes sûr de vouloir enfreindre les règles ? Bah, si on nous interroge, on plongeait, et c'est là qu'on l'a vu. Qui le saura ? Quelle règle ? On est où, là ? À la maternelle ? Il fallait que je le dise. Si on va jeter un petit coup d'œil, qui peut le savoir ? Bon, ne traînez pas, alors. Et surtout, ne touchez à rien. Ah, oh, j'ai vraiment trop hâte d'être la première en bas. Vous vous rendez compte ? La preuve ! Vous devriez être paré à plonger dans pas très longtemps. Je m'occupe des bouteilles. Les gars font les dernières vérifs. Jette un œil à la caméra, vois si tu trouves quelque chose d'utile. Ça roule. Hé, tu devrais peut-être parler à ton frère. On pourrait rentrer par. Salut. Salut, chérie. Le matériel va pas tarder à être prêt. Encore merci d'avoir payé pour tout ça.
C'est cool d'avoir du bon matos. Quoi? Tu sais que la taille de mon compte en banque est pas en compète avec celle de ton pénis, hein? Mais s'ils étaient en concurrence, je m'en sortirais pas mal. Bah, si on prend en compte l'inflation, franchement, je suis pas très emballée par notre capitaine. J'hallucine. Elle pourrait arrêter de nous prendre la tête. Elle se fait une petite fortune grâce à nous. Pas si petite que ça. Il y a des règles, je comprends. Mais où est le problème si personne ne la prend? Oui, exactement. Parfait. Je vais préparer les recycleurs et on fera le point sur les dernières étapes. Cool. Préviens-nous quand t'as fini. Il y a une brèche dans la queue. Regarde ça. Tu sais comment ça marche? Non. Pas vraiment. Vaudrait peut-être mieux le laisser tranquille. Salut. En fait, s'il y a des règles en mer, c'est pas pour rien. Alors il faut que vous les respectiez.